là. Mais de la Suisse et peut-être encore d'ailleurs. Il y en a qui viennent encore d'ailleurs. Bon, vous me direz après. Voilà. Eh bien, oui, ça c'est déjà un très beau signe. Ce mélange, cette diversité venant de différents pays, tous, une majorité d'entre vous, peut-être qu'il y a d'autres qui ont rejoint, mais d'origine portugaise, habitant dans différents pays. Et puis il y a des adultes. Parmi eux, des personnes plus âgées, d'autres plus jeunes. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des familles. Voilà, toutes sortes de situations. Ça, c'est l'Église. Et c'est pour cela qu'on nous a redonné comme premier texte de la parole de Dieu ce passage qui peut nous paraître un peu bizarre. Parce qu'on se dit, mais enfin, ça s'est passé il y a bientôt 2000 ans. En quoi ça nous concerne aujourd'hui? Eh bien oui, ça nous concerne. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que tout est que pour être chrétien, il fallait d'abord être juif. Et puis que les autres qui n'étaient pas juifs, qui étaient païens ou qui n'avaient pas de religion ou qui avaient une autre religion, ceux-là, ils ne pouvaient pas devenir chrétiens, sauf s'ils se faisaient juifs d'abord. Alors, heureusement, rapidement, ils ont compris que le Christ, vous disiez tout à l'heure, parce que nous sommes de bons chrétiens parfaits. Non, c'est ce qu'on peut. Mais est-ce que c'est vrai que chacun d'entre nous, là où il est, dans sa famille, dans son quartier, dans sa ville, dans son village, dans son métier, dans sa profession, est-ce que c'est vrai que chacun d'entre nous fait ce qu'il veut, et que le message d'amour de Dieu soit vécu, et que la diversité dans le respect des différences se vivre dans une unité toujours plus grande? Ça, c'est une vraie question. Parce que ce n'est pas possible que des chrétiens, que des... Oh ben, vous savez, moi, je fais mal à personne, et puis je fais baptiser mes enfants, et puis je suis marié à l'église, je n'ai pas l'origine. Une prière universelle. Thank you.
Qual? Não, puta, não precisa de sol.